Je suis Tenno Koulibaly, ingénieur génie logiciel et spécialiste en développement durable. Digital Smart Trash est un service de gestion des déchets et ce service d'accompagnement sur mesure débute par la pose de bacs de tri sélectif connectés et s'achève par la valorisation des déchets triés et collectés au sein de ces bacs. L'idée est née d'un constat assez simple, la recrudescence des déchets ménagers non assimilés et assimilés qui jonchent les rues et des bacs à ordures qui sont remplis et qui ne sont pas collectés à temps. Souvent, le manque de traçabilité des déchets pour certaines industries. Nous avons donc jugé qu'il y avait mieux à faire que les solutions qui étaient proposées aussi bien aux ménages qu'aux entreprises aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que nous avons mis en place une solution en associant la technologie et le volet environnemental. Le soutien technique et financier de l'AFD nous permet de nous développer. En ce sens que les séances de coaching ont été des séances très porteuses et des séances fructueuses qui nous ont permis de revoir notre business plan, qui nous ont permis d'affiner notre vision, de définir des objectifs SMART. Et l'apport financier nous a permis, bien entendu, d'avoir des immobilisations et également d'acquérir un certain nombre de matériels indispensables pour la bonne marche de notre projet. Nous sommes donnés pour mission de garantir aux habitants de la Côte d'Ivoire un environnement sain, par une solution d'assainissement par le tri sélectif, par le tri et la revalorisation des déchets. Dans les 3 années à venir, nous ambitionnons inonder la ville d'Abidjan de nos bacs et également l'intérieur du pays, donc les 4 grandes villes ivoiriennes de nos bacs intelligents afin de réduire le taux de pollution au sein de ces villes-là. Ville naturelle ou ville technologique? Je dirais un mix des deux. Une ville durable, c'est une ville pour moi qui doit être bâtie sur 3 principes. Elle doit être économiquement efficiente, socialement équitable, tout en préservant les ressources naturelles. Je dirais que le numérique a une place prépondérante dans l'émergence des villes durables, en ce sens que l'efficience économique aujourd'hui ne peut se faire au détriment ou sans le numérique et sans l'avancée technologique. Donc, permettre d'aboutir à beaucoup plus de résultats avec très peu de moyens.